La cérémonie de passation de service entre Mme Evelyne Tchitchélé, née Moué Poitchi, présidente du conseil départemental municipal, maire de la ville de Pointe-Noire entrante, et Jean-François Kando, président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville sortant, s'est déroulée ce lundi 26 septembre 2022 sous l'égide du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. Après l'arrêt des registres et autres documents administratifs, le procès-verbal de passation de service a été lu par le secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, Guy Edmond Louemba. La passation de service a porté sur les éléments ci-après. La composition du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, le personnel de la municipalité, les documents de travail, le matériel de bureau et les moyens roulants, l'administration, les services, les finances et la comptabilité, les dossiers administratifs en instance et en cours de traitement, les consignes particulières. Puis les deux maires entrant et sortant ont dit leurs mots de circonstance. Je suis très heureux de me savoir remplacé, suppléé par ma grande sœur, Evelyne Tchitchel, née Moué Poitchi, à qui je souhaite tout le bien et de la réussite dans l'action qu'elle va mener à la tête de cette collectivité. Je voudrais ici dire que c'est une mission exaltante que nous allons avoir à mener avec le bureau du conseil et les distingués conseillers. Un challenge, des défis à regarder ensemble pour faire que cette ville connaisse sa beauté d'antan. Cette cérémonie de passation de service marque le début d'une nouvelle page de l'histoire de la ville centenaire qui doit s'écrire en tenant compte des préoccupations de ses citoyens.